Salut tout le monde, c'est Harry85 Poutré. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour construire une mitrailleuse Lego. Du coup, alors vous avez besoin de 7 plaques, de 2 trucs comme ça, voilà, de 7 pièces, de deux comme ça pour accrocher la mitrailleuse, un truc mécanique un peu. Ça aussi, c'est des trucs mécaniques, vous voyez, c'est pour accrocher la mitrailleuse. Le truc pour mettre la mitrailleuse, voilà, on peut attacher ici. De cet objet. Ça, c'est les munitions. Ça, là, voilà. De deux objets comme ça, avec un bâton qui, voilà. Une plaque 4 en verre. Et ça, c'est pour faire le relief, voilà. Alors, du coup, vous avez besoin de 7 plaques vertes. Après, vous avez besoin de mettre cette pièce, voilà. La deuxième à côté. La plaque verte au milieu des deux trucs. Ah oui, après, comme ça. Comme ça, voilà. Alors là, vous voyez, ça fait un peu le truc. Ça commence à se former. Après, on met une pièce Lego comme ça pour faire le relief du rocher. Voilà, comme ça. Là, ça fait un peu le relief. Attendez, on le met un peu comme ça. Ça fait le relief. Après, on va prendre cette pièce. Mais on va l'attacher sur l'éclipse. Voilà. La mitrailleuse, il y a deux trous. Du coup, on met les deux pièces. Voilà, je les mets. Attendez, c'est un peu dur à les mettre. Surtout quand on a les doigts qui glissent. Alors ça, voilà, c'est bon. Du coup, on accroche la mitraillette comme cela. Du coup, c'est bon. Regardez la gueule un peu de la mitrailleuse. Après, vous avez besoin d'avoir un truc mécanique avec une plateforme plate au bout pour éviter que ça tombe. Voilà. Après, vous mettez cette pièce encore mécanique. Vous l'enfoncez jusqu'au bout. Voilà. Et la grosse roulette pour tourner la mitrailleuse. Voilà. Du coup, là, ben, on va mettre les munitions. Alors, voilà. On les met. Hop, comme ceci. Putain. Voilà. Alors la mitrailleuse est prête. Du coup, on va faire le test de la mitrailleuse. Voilà. Ça marche bien. Hein, voilà. Du coup, cette vidéo, ça va être la fin de cette vidéo. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et ciao, ciao. C'était Harry85 Poutry.